On y est 18h à toutes les montres. Bienvenue, bienvenue pour ce deuxième numéro du juste milieu chaud. Alors là, je peux vous dire que on n'est pas venu pour trier les comquats, on est venu là pour ricaner. On va ricaner parce qu'il y a de l'équipement, il y a du changement, il y a de la coupe de cheveux, il y a du micro. Normalement, on est sur un son de qualité. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne bien. Donc là, on est sur quelque chose de propre, quelque chose de nouveau. Il y, a, il y a de la mise en place technique. On va se régaler pour ce deuxième numéro du juste milieu chaud. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous allez bien, les copains. Vous êtes déjà très nombreux. Vous êtes déjà 338. C'est voilà, la folie. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut se faire plaisir. Donc, voilà, je suis organisé, je suis organisé, j'ai tout. J'ai mes notes sous les yeux, j'ai le chat, je vois vos bêtises, voilà. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, comme on dit, à l'aise, blaise, quelque part. Donc, ouais, il y en a déjà qui se foutent de ma gueule. Ouais, Justin Bieber. Alors, moi, c'est plus Justin Bridou, le style, mais on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut. Il y a de la coupe, écoute, j'ai dit, on l'a chez le coiffeur, il m'a dit, qu'est-ce qu'on bricole avec ça J'ai dit, je sais pas, fais ton métier, mon grand. Euh, quand je vais chez le boulanger, je lui dis, donc euh, voilà, il m'a coupé. J'ai dit écoute, on est pas mal, on est pas mal. Donc, donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a du nouveau, il y a de la nouveauté. Je vois, hein, les amis, euh, le son. J'ai un micro maintenant. J'ai mis un micro. Donc là, normalement, ceux qui se plaignaient, ça va. Hein, là, il y en a marre. Hein, donc attention, euh, attention. Donc on va y aller doucement, on va y aller gentiment, les copains. Deux grandes parties ensemble ce soir pour ce juste milieu chaud. Deux grandes parties avec au début, hein, le premier bloc, ça va être nos députés de l'Assemblée nationale qui augmentent leurs revenus euh, comme ça, voilà, en un claquement de doigts, sans demander l'avis de, de qui que ce soit, enfin bon, que du plaisir. Et la deuxième partie, parce qu'on va en faire un petit peu du coronavirus, ça va être sur les vaccins. Sur les vaccins, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe pas encore là-dedans? Donc, tout ça se met en place. Voilà le résumé de ce qui vous attend ce soir. Vous connaissez la maison. Le chat ne marche pas. Normalement, il doit s'afficher à l'écran, le con. Mais là, il ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Donc, euh, donc bon, on va faire ce qu'on peut. Euh, si ça ne marche pas, tant pis. Je vais enlever ce carré noir. Hein, J'essaie de m'organiser. Vous connaissez la technique. Hein. Bon, voilà. On fait, on fait ce qu'on peut. Donc, regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Comme ça, on sera tranquille. Ah ben non, il est là Il est là, le bougre Il était caché Oh Ben on va le laisser là, voilà, hein Excusez-moi <laughs> Excusez-moi, c'est n'importe quoi, mais vous connaissez la maison Donc, les amis, les amis, on va y aller gentiment Vous êtes 621, ça va grimper, ça va grimper euh, Je vois vos commentaires, hein Salut à tous Salut Lulu Castagnette Salut Electrostation Noël Salut à tous, salut à tous, les copains Donc. Vous l'aurez compris pour ce deuxième numéro du Juste Milieu, on va reprendre les recettes habituelles, hein. on va décortiquer des grandes actualités. N'hésitez pas, hein, je le rappellerai à la fin, à vous inscrire à, au, au, à la Terre du Juste Milieu, qui est le club de soutien des meilleurs, des meilleurs, qui soutiennent Juste Milieu. Donc, donc on va y aller gentiment sur cette première partie, les députés qui augmentent eux-mêmes. L'enveloppe des députés. Voilà. Fin de la phrase. Euh, rangez tout dans vos poches. On s'en va. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai les notes sur l'écran. Donc, vous inquiétez pas. Tout ça est sourcé. Vous le savez. Euh, je mets les sources à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder tout ça. Euh, qu'est-ce qui se passe Ça commence le 25 janvier 2021. C'est pas loin. C'est vraiment pas loin. 25 janvier 2021. On a la lettre A. Qu'est-ce que c'est que ça Non, c'est pas l'alphabet. J'en vois qui me disent qu'est-ce qu'elle a fait la lettre A. Non, non, la lettre A, c'est un espèce de média, une espèce de média euh, sur Internet qui fait des lettres très politiques, des lettres d'information qu'on peut recevoir par mail. Et donc sur leur site, le 25 janvier, ils publient un article, un article que je vais vous montrer de ce pas, qui est celui-là. L'Assemblée nationale augmente la dotation des députés. Donc Qu'est-ce que nous dit cet article À partir du 1er février 2021, je cite les trois qu'esteurs de l'Assemblée nationale, Florian Bachelier, Lauriane Rossi et Éric Ciotti, viennent d'augmenter de 15 la dotation matérielle des députés. Alors ça, c'est une info que je vous donne. Ça commence bien. Euh, le truc, c'est que moi, je ne savais pas ce que c'était déjà les qu'esteurs de l'Assemblée nationale. Donc avant même d'avoir l'info. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est les questeurs Les questeurs pour un champion, c'est qui ces gens Que font-ils Quel est leur projet de vie Donc ces trois questeurs de l'Assemblée nationale Florian Bachelier, Lauriane Rossi et Eric Ciotti, Donc je vous les montre, ce sont eux en photo, hein, autour de l'ami de, 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 de l'ami euh, Ferrand. Euh, je crois le président de l'Assemblée nationale, je crois que c'est lui. Euh, Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Les questeurs de l'Assemblée, c'est quoi Je trouve que cette actualité, hein, avant de vous dire ce que je vais vous dire, vous allez voir qu'elle est, qu est très plaisant. Cette actualité permet de découvrir des gens, les questeurs de l'Assemblée nationale. Et je me suis renseigné. Vous connaissez la maison, j'ai fouiné comme ça. J'ai pris ma pelle, ma pioche, et je suis allé creuser. Et je suis allé sur le site de l'Assemblée nationale. Bon, en termes de recherche, je sais pas d'Eric, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et qu'est-ce qui est dit sur le site de l'Assemblée nationale, au sujet des questeurs. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que c'est que ces gens-là Les questeurs. L'Assemblée nationale nous dit que le terme et la fonction de questeur datent du senatus consulte » du 28 frimaire en 12, c'est-à-dire le 20 décembre 1803. Donc on est sur quelque chose déjà euh, qui commence à remonter dans le temps. Euh, « Brigitte Macron devait avoir 15-16 ans ». On est dans le passé, si tu veux. Mais le, le métier de qu'esteur existe encore. Et l'Assemblée nationale nous dit euh, « Depuis la Troisième République, il y a trois caisseurs ». Ils sont trois, comme les total Spies, Et il est de tradition, depuis 1973, que deux d'entre eux appartiennent à la majorité, le troisième à l'opposition. Alors <laughs> j'en vois qui rigole. C'est vrai qu'en ce moment, on sait pas trop qui fait quoi. Mais allez, hein, arrête. On sait pas. On ne sait pas qui... Hein bon, ça va. Euh... Oui, je corrige, effectivement, c'était deux rugis sur la photo, excusez-moi, je dis une bêtise. J'en vois qui ont réagi parce que vous êtes attentifs. Et l'Assemblée nationale, hein, toujours pour nous dire qui sont ces questeurs, who are the man euh, ?» elle nous dit que les casteurs, alors là écoutez bien, parce qu'il y en a qui ne sont pas concentrés, j'en vois. Euh... Les casteurs sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle. Ne peut être engagé sans leur avis préalable. Donc, on est, si tu veux, euh, un tout petit peu au-dessus du délégué de la classe. C'est vraiment euh, le type qui va négocier à la cantine, frites, patatose. Euh, voilà, il bricole comme ça. Moi, bon, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Euh, tu dis bon, c'est un métier comme un autre. Le gars, il vérifie le budget. Il compte les piècettes à la fin du repas. Monique, t'as oublié la monnaie. Enfin, tu vois, c'est le sketch de Muriel Robin. Quelque part, c'est un petit peu ça. À la vôtre, parce qu'il y a le gobelet, vous le savez. Et donc, cette histoire de questeur parce que forcément, hein, vous voyez venir l'embrouille. Je sais, vous êtes malin, vous connaissez la maison. Euh, les questeurs ils sont pas bénévoles. C'est-à-dire que euh, quand faut aller distribuer les repas des restos du cœur, là, c'est bénévole. Euh, quand tu es kester, non. non. non, non es... Pourtant, tu es quand même député. Hein euh, donc, tu as déjà un salaire de député. Mais quand tu es c'est vraiment, tu deviens capitaine de l'équipe. Donc, je suis allé fouiller, là encore, et j'ai trouvé un article de Capital du 17 janvier 2018 et qui nous parle de la rémunération des questeurs J'ai dit « bah oui, bah attends, casteur, à un moment donné, il euh, y a de quoi partir en vacances du côté de, de Quibron. Et donc, qu'est-ce que nous dit Capital Capital nous dit que déjà les Questeurs, comme ils sont députés, ils gagnent 7209,74 euros bruts d'indemnité de députés. Bon, ça, tous les députés, ils mettent ça dans la poche, on est pas mal, on est pas mal, ils mettent ça gentiment, déjà t'es bien, déjà tu commences à être bien. Et les Questeurs, nos trois amis, là, les trois mousquetaires, en plus, ils gagnent autre chose. Attention, accroche-toi à tes chaussettes courtes parce que là euh, ça va ça va secouer. C'est-à-dire qu'il gagne en plus chaque mois un supplément. Supplément. Peut-être c'est un supplément, euh, supplément frites. Non, non, un supplément de 5003,57 euros. Ouais. Vous le savez, par moment j'instaure des silences, comme ça les informations peuvent bien se greffer dans votre cerveau. Ouais. Voilà. donc là on a un silence, donc on commence à être, hein, parce que, petite pression, j'avais passé dessus, le con, ah oui, ce supplément de, de 5357 euros, euh, il n'est pas assujetti à l'impôt. <laughs> bah non, bah non. Et oh, caster ou pas caster, caster or not caster. Donc quand t'es caster, l'impôt, euh, non. Il n'y a pas d'impôt. C'est quoi cette histoire Il n'y a pas d'impôt. Donc la rémunération des Total des trois caisseurs, elle est de 12 214 euros bruts par mois, en sachant que ce supplément n'est pas assujetti à l'impôt. Oh, elle est pas belle, la salade C'est-à-dire que euh, ce sont les élus les mieux rémunérés juste derrière le président de la République. Ouais. Ah, ce sont des mecs, on ne sait pas ce qu'ils font. Enfin si, on sait. Je vais t'expliquer. On sait ce qu'ils font. Euh, mais t'as peut-être pas envie de savoir parce que tu vas voir, c'est chiant. C'est chiant ce qu'ils font, mais bon, c'est comme ça, ils sont questeurs, donc euh, ils savent quand même plus que toi. Euh, et puis, là encore, j'allais passer <laughs> parce que j'en vois qu'ils commencent à s'énerver déjà. Mais <laughs> c'est pas fini, je suis con, j'allais oublier. Oh le con, oh la tête en l'air, j'ai envie de dire. Euh, donc, ils ont le salaire de député. Ils ont euh, le supplément, hein, supplément euh, merguez, et puis ils ont euh, une voiture avec chauffeur, <laughs> un logement de fonction, à l'hôtel de la Questure, si si, composé de trois appartements de 400 mètres carrés. Et ils ont un secrétariat particulier. Si, 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 si. Euh, tout ça, c'est capital qu'il le dit. Donc, euh, Donc ouais. Ouais. Ah, un caisseur, c'est un métier d'avenir. Moi, je veux dire, quand tu dis aux gamins, euh, fais de la mécanique, euh, fais du football, euh, fais des vidéos YouTube, non, mais non, fais caisseur. Je veux dire, à un moment donné, euh, bac pro, orientation, caisseur, et puis là, t'es bien parce que, quand même, euh, là, on est bien. Il y a l'hôtel de la question, tu vois. D'ailleurs, je, re... enfin, je rebondis là-dessus, tu vois, ils ont un hôtel pour eux. Comment pas, je n'ai pas compris donc. Voilà. Tout ça, c'est capital qui nous le Donc, à un moment donné, il faut le prendre au sérieux. Et, et donc, euh, déjà, il y a des questions qui se posent. Parce que, avant de rebondir sur cette affaire euh, des questeurs qui ont décidé l'augmentation des revenus des députés, bouge pas, ça arrive. Je prends mon temps. On est détendu. Euh, bon, bah, tu sais, euh, les ils échangent avec chaque président de la République. Et t'en as un qui a, qui a parlé à la presse Florian Bachelier, qui est député de la République En Marche. Quand il a été nommé, le gars, il a dit euh, dans le journal du dimanche, le 4 novembre 2017, il a dit, euh, et c'est vrai, non, non, c'est pas une blague. Euh, il a dit Je veux en finir avec les dépenses injustifiables aux yeux des Français. Oh, oh C'est rigolo oh, C'est oh, rigolo C'est rigolo Je veux dire, questeur et humoriste. Donc, il a la double casquette. Lui, il peut rester sur le temps long. Ça, c'est important. Et donc. Tu vois, bon, euh, au bout d'un moment, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche que déjà, le métier de caisseur soulève énormément de questions. Mais ce n'est pas fini, parce que les caisseurs, bah, comme je te dis, ils décident euh, du pognon à l'Assemblée nationale. Hein, euh, comment ça marche, comment c'est euh, réparti, et tout ça. Et donc, il y a eu un article de Capital, là encore, du 29 janvier 2021, je te mets le titre, euh, qui est allé creuser un petit peu tout ça, cette affaire... Là, d'enveloppes de, 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 des députés qui avaient été augmentées. Parce qu'on ne on, on sait pas, nous, ce que c'est. Une, enfin, une enveloppe, on voit. On voit à peu près comment ça fonctionne. Euh, ce système bien rodé de timbres, fermeture autocollante. Enfin On est sur quelque chose déjà de bien foutu. Euh, et Capital est allé chercher. Et il nous explique. Alors, je te dis ce que, ce que, ce que définit Capital, comme ça, tu vas comprendre. Tu vas comprendre l'histoire. Capital nous dit que. Le plafond annuel de la dotation matérielle des députés, donc c'est ce qui a été augmenté, cette dotation matérielle des députés, aussi appelée DMD, hein, comme euh, de toi euh, elle permet aux élus de couvrir une partie de leurs frais de mandat euh, téléphonie, taxi, affranchissement, euh, euh, voilà, hein, euh, lissage brésilien, euh, cirage des pompes, enfin, tout ça. Euh, actuellement, c'est à 18 950 euros par mois et par député. <laughs> tu fais le calcul. S'il y en a qui sont bas en maths, ils se débrouillent. Euh, ben, ça va passer à 21 700 euros parce que euh... parce qu'il n'y a pas assez. Parce que euh... Euh, les, les timbres, les timbres, ça augmente, ça augmente beaucoup. Donc, euh... donc voilà, ça, ça monte, ça monte jusqu'à toucher les étoiles, un peu plus près des, des étoiles, j'ai envie de dire, au jardin. De lumière et d'argent. Oui, gold, bien évidemment. Donc, voilà ce que nous dit Capital qui résume la situation. Donc, cette enveloppe qui va augmenter. Et puis, euh, tu sens que dans l'Assemblée nationale, euh, on est détendu. On est détendu. Euh, et même dans le groupe des questeurs parce que tu sais, ils sont trois. Tu te dis à trois, normalement, tu arrives à être d'accord entre, enfin, en, en, dans ton groupe. Parce que je veux dire, euh, les trois mousquetaires, s'ils commençaient à s'embrouiller. Comment ça, Portos, t'es qu'un connard Ah merde, mais bah oui, mais Aramis, Aramis euh, Soto et tout ça. Enfin, c'est le bordel. Et là, ils sont trois. Tu te dis, on, on va y arriver. Ben non, t'as Lauriane Rossi, qui est députée de la République En Marche, qui a dit euh, Non, quand même, on ne peut pas augmenter l'enveloppe <laughs> qui sert à canal. Euh, et elle a dit euh, Enfin, les deux autres, euh, donc Flo, Flo Bachelier et Eric Ciotti, ils ont dit Écoute, euh, Lauriane, non, on t'aime bien hein, au départ. Euh, mais calme-toi, parce que Kester, tu vas, tu vas être stagiaire Kester, et après tu vas dégager. Donc, Lauriane, elle a poussé un petit coup de gueule, mais ça n'a pas trop été entendu. Et puis, ce qu'il faut dire aussi sur cette enveloppe, parce que bon... Euh, à quoi ça sert hein Déjà, t'as compris que le motif est pas dingo. Euh, mais le problème, c'est que cette enveloppe, elle est très peu utilisée. Ouais, ouais, ouais. On met du pognon, hein on bloque de l'argent issu de, 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 des finances de la France, hein de, 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 de notre argent en fait il euh, y a sûrement une pièce d'un euro à moi et peut-être à toi aussi ça je sais pas euh, ben capital nous dit qu'en 2019 seuls 39% des députés euh, 39 pardon seuls 39 députés sur les 577 présents ont consommé la totalité de leur DMD soit 18 950 euros <laughs> ouais, 39 39 bon tu vas me dire euh, tant mieux Sauf que cet argent, il est bloqué. Donc euh, il n'ira pas pour acheter des repas aux sans-abri, par exemple, tu vois. Il est bloqué. Et de fait, euh, le taux d'utilisation global de la DMD, donc tu vois, c'est vraiment ceux qui ont pris euh, 10 euros pour aller acheter un Colissimo, bah, c'est 54%. Ouais. C'est-à-dire que tu en as qui ne touchent même pas. Ouais. Pour un truc qui est présenté comme euh, indispensable. Il ah, y en a qui ne l'utilisent pas sont Des choses qui arrivent, je pense qu'il faut pas juger. Et euh, ben, mine de rien, hein, cette enveloppe, euh, au bout d'un moment, c'est quand même 11 millions d'euros. Hein, euh, ouais, ouais, le, le montant maximal théorique de l'enveloppe, donc, euh, c'est donc bien, c'est bien, ça fait beaucoup. Et euh, je vais aller chercher là encore. Hein, on peut trouver ça, c'est l'article de Capital aussi qui rappelle ce qu'a dit Marie-Christine Dalloz. Dalloz, on danse, Stromae, excellente chanson. Elle est députée LR, les Républicains, et élue dans le Jura. Donc, je trouve que c'est quelqu'un de sérieux. Et elle nous a dit, Marie-Christine, concernant cette affaire d'enveloppe, hein, puis en plus, elle est présidente de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'hémicycle. Donc, tout ce qui est pognon, elle connaît. Euh, tu vois, c'est comme Sylvain le comptable dans le Caméra Café. Il ouais, y a des références. Ouais. Ah, il est comptable. Euh, bon, bref, Marie-Christine, elle nous a dit euh, Les qu'esteurs augmentent la DMD pour quelques dizaines de députés qui la consomment entièrement, voire dépassent le montant autorisé. <laughs> Lâchez-vous, vous pouvez y aller. C'est ça le message. Je suis inquiète de la progression de toutes les dotations aux députés sur ce, quinte... sur ce quinquennat, en dépit du budget déficitaire de l'Assemblée. Ouais. Ah, voilà ce que nous dit Marie-Christine. Euh... Elle nous explique que euh, non seulement cette enveloppe sert globalement à que dalle, et que, en plus, euh, t'en as certains qui dépassent le montant. Donc, apparemment, cette augmentation, il servirait à certains d'aller plus haut, comme chantait Tina Arena. Donc, tu vois, pff, on adore, on adore, on adore, c'est que du plaisir. Et puis, on va finir parce qu'il y a une explication. Regarde, je t'explique, c'est le Monde. Le Monde, ils ont l'explication. Pourquoi l'enveloppe, elle a augmenté Ah non, merde, c'est pas le bon article <laughs> Je t'ai spoilé sur la suite. Non, désolé, je ne l'ai pas sous la main. Mais c'est un article du Monde, du 4 février 2021, qui nous dit euh, En fait, non, mais en fait, l'argent de la DMD, c'est pour payer les collaborateurs. Des députés, oui, et oui parce qu'ils ont des collaborateurs, donc euh, euh, ils, ils, quelque part, c'est euh, en fait c'est rempli d'éthique ce geste, tu vois. Par exemple, euh, en, en fait, euh, c'est un geste humain, c'est l'humanité quelque part. Et oui, parce que le député il a de l'argent, il embauche des gens, et puis la France est contente, on résout le chômage. Et oui, donc quelque part, ceux qui critiquent. Ce sont des connards, je suis désolé de le dire, je suis désolé de le dire, mais il faut se rendre à l'évidence, tu ne critiques pas ça, les gens embauchent des gens. Donc, les députés embauchent des gens, donc si tu critiques ça, t'es un gaulois réfractaire, t es, t es, t es, t es, tu n'es rien, quelque part. Donc, c'est donc pas possible, voilà, c'est le monde qui nous dit ça, en fait, c'est pour embaucher des gens, donc arrêtez de critiquer. Donc, voilà pour cette affaire, hein. Je bois parce qu'on. Euh, il nous reste plus que ça. Euh, c'est de l'eau. Hein. Attention, oh, on déconne pas. Donc, tu vois, cette affaire, hein, je regarde vos commentaires. Hein. Allez-y, les copains, on fait une petite pause avant la deuxième partie pour déconner ensemble. Si vous avez des réactions, si vous avez des questions, je lis tout ça. On papote. On est surtout là pour ça. C'est l'apéro, c'est la rigolade. On n'est pas pressé. Donc, hein, donc, tranquillou, hein. Il euh, y en a beaucoup qui parlaient de ma coiffure. Hein. Oh, arrêtez. Et je... eh oh, dites-le si j'ai une tête de con. C'est possible. Je l'avais de base. Hein. Le coiffeur, il est pas magicien, le gars. Hein, à un moment donné, c'est pas David Copperfield. Je suis débarqué comme ça. et Je lui dis voilà, tu veux que je te lise Mais oh, vous vous, vous moquez la bande de bougres. Arrêtez. Ça change. C'est comme ça. Non, mais hein. Donc voilà, je regarde hein, vos commentaires. T'as Zoko Kira qui dit Zemmour président. Bon, bah, tu fais ce que tu veux. T'as Martine, elle nous met des coupes de champagne. Ben merci Martine. Merci beaucoup. Euh, ah, Aït Meloul, Itian mon ami, comment tu vas Qui nous dit. Ah, attends, mince, j'ai perdu ton message, camarade. Ah, vous, vous êtes nombreux à écrire. Ça, ça fait plaisir, mais je ne peux pas suivre. Parce que comme je suis pas vif au départ, euh, je, je suis perdu. Euh, ah, tiens il y a Cécile qui dit « Du vin transparent ». Non, là, c'est de l'eau, pour cette fois. Hein bon, Cécile, on se calme. Hein, je regarde vos commentaires. Il y a Jeanne. « T'es beau, change rien ». Arrête oh, Arrête, arrêtez Mais vous êtes coquin, oh le samedi, là C'est la folie ou quoi C'est la fièvre du samedi soir Non, mais... Il hein y a Richard. Salut, Richard, qui dit « Au Danemark, tu vois les députés ou ministres à vélo ou en bus, en Suède aussi ». Je pense qu'en France, c'est lié au fait qu'ils savent pas faire de vélo. Mais sincèrement, s'ils pouvaient, ils le feraient. Hein. Vraiment, je doute pas. Moi, je, moi perso, je suis, je suis confiant. Oh, il y a Sébastien qui dit "T'es plus beau que Gérard Larcher. Ta flèche me va en plein cœur." Attends, en même temps, oh, on avait dit pas les insultes. Hein. Non, mais, ah, hein, oh, vous êtes sympa, vous êtes gentil. Il y a que des que des sympathies là. Un hein, jasmin qui dit t'es pas vif, mais t'as le poil brillant. C'est mon côté, t'es quel ratier. C'est vrai que j'ai la truffe. Dans la truffe, il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà les copains. Il hein, y, a, y a Yabasta qui dit Zemmour est une ordure. Bon, bah, c'est possible. C'est juste milieu ici. Chacun dit ce qu'il veut. Le respect. Euh, le respect. Le respect. Voilà. J'ai pas plus à dire. Il y a Valérie, Valérie Mavaloche, comment tu vas Une fidèle parmi les fidèles qui dit illusion. Peut-être en référence à la chanson, je ne sais pas, Valoche. Euh, Christophe, un plaisir de t'écouter. Merci, merci à tous d'être là, les amis. Hein, on fait un point. Vous êtes, vous êtes 1823. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On va encore péter des records ce soir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Je vois il y a Zoko Kira qui pose une question sur la, ganture, la candidature de Zemmour. Je vais y répondre à la fin, hein, tout ça. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il euh, y a le baron qui me demande si j'ai coupé les cheveux. Oui, j'ai coupé les cheveux. Ça, ça se voit. Tu vois bien que j'ai une tête d'écureuil tout fringant. Donc voilà. Euh, donc bon, euh, les amis, on, on va enchaîner. On va enchaîner. Patricia qui dit, euh, j'adore votre humour. Merci, merci ma Patricia. Merci à tous. J'ai envie de lire tous vos messages. Arrêtez, il y a du boulot encore. Oh, non, mais, j'ai pas fini. Hein donc, on va continuer. Parce que euh, ce que j'ai à vous dire. Euh... Aïe, 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 hein Il y a encore de belles choses. Ben oui, le vaccin, pic, pic, pic. Forcément, je me resserre de l'eau avant. C'est de la ceinture. Parce que la ceinture, globalement, ça va fort, quelque part. C'est le slogan et c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Je veux dire, il n'y a, y a, a pas à dire. Donc, 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 donc. On va y aller doucement. Le vaccin. Pourquoi je vous parle du vaccin Alors attention, qu'on qu soit bien d'accord. Euh, je suis là. Le, le, le débat va pas être de trancher si c'est bien, si c'est pas bien. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On en reparlera ensemble, les copains. Là, je, vraiment, je voulais rebondir sur cette affaire Sanofi, sur l'affaire des négociations de contrats et tout. Ah, il y a du juteux. Comme disait un ami presseur de jus de fruits, quand tu as tant de jus comme ça, faut mettre les oranges à la cave. Parce que franchement, il y a de quoi faire. Et tu vois, là, c'est que du plaisir, c'est du miel. Donc cette deuxième partie, le vaccin Sanofi, scandale, favoritisme et contre-flou. Ouais. Contre-flou, j'aime bien. Je trouve que ce sont deux mots qui fonctionnent bien ensemble. Et tout ça démarre démarre avec une enquête du monde. Je vais vous la montrer. Elle est là. 3 février 2021, paré dans le monde, une enquête, hein, une enquête euh, de journalistes euh, sur tout ça, la négociation des vaccins depuis l'apparition des premiers vaccins sur le marché, donc AstraZeneca, Pfizer BioNTech, les, premiers, euh, on va, les premières communications par exemple de Sanofi qui dit qu'ils vont réussir à en bricoler un, donc ça commence à négocier de lourd, pareil l'article, je vous mettrai le lien dans la description à la fin de la vidéo, vous pourrez aller le lire. Et, euh, et on en apprend, j'ai envie de dire, des vertes et des pas mûres. Ouais, ouais j'ose le dire, j'ose le dire, des vertes et des pas mûres, parce que euh, on apprend beaucoup de choses. On va y aller progressivement. Parce que j'entends les Français, j'entends les complaintes et sus à la précipitation, sus! au Stress, pas de stress, il y a point S et là il faut y aller doucement. Voilà donc, qu'est-ce que nous dit cette enquête du monde D'abord, on apprend, on apprend que, euh, donc comme je vous l'ai dit, les premières annonces de vaccins arrivent sur le marché, on est environ en septembre 2020. Euh, on apprend que les pays européens, donc tout ça se passe au sein de l'Union européenne, les pays européens qui ont une forte capacité de production de vaccins s'unissent entre eux. Ils forment une espèce de coalition dans la coalition. Donc on a la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas qui vont ensuite être rejoints par la Suède, l'Espagne et la Pologne. Mais la liste n'est pas officielle parce que c'est un espèce d'accord, pas du tout officiel, si tu veux. Hein de toute façon, rien n'est officiel. À un moment donné, comme disait Danny Boone, rien n'a déclaré. Tu vois, c'est un petit peu l'idée. Et donc, on apprend tout ça, que donc, des groupes, des pays s'organisent entre eux au sein de l'Union Européenne pour négocier les vaccins pour, les... pour toute l'Union Européenne. Bon, on imagine bien que c'est d'abord pour eux. Hein. Euh, si tu veux, on l'avait vu avec l'histoire des masques. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, euh, quand c'était le bordel pour commander des masques, en France, as si bête, vu que de toute façon, on en avait 18 en stock, elle nous disait, non, mais ça sert à rien, les masques. Si... En période de carnaval, c'est rigolo, c'est festif. Mais en dehors de ça, non, 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 il n'y a pas d'histoire. De... Donc, on avait des, euh, des livraisons de vaccins qui avaient lieu sur des tarmacs et il y avait des négociations qui se faisaient à l'arrache, des pays de l'Union européenne qui volaient des livraisons à d'autres. Enfin, c'était déjà n'importe quoi. Et avec les vaccins, rebelote et dis de d'air. Parce que, euh, donc, les, les pays s'organisent entre eux, euh, mais ils vont négocier un peu pour toute l'Europe. Enfin, bon, bref, on ne comprend rien. Et. Je vous lis, c'est un millefeuille, hein. on va monter par couche. Si vous commencez euh, à être estomaqué, à être énervé maintenant, quittez la vidéo. Parce que ce qui arrive derrière, c'est beaucoup trop. C'est fort, c'est très fort. Et donc, les pays de ce groupe officieux se réunissent. Chaque pays nomme des négociateurs. Ouais, des négociateurs pour négocier. Mais, euh, parce que tout ça est transparent, il n'y a que trois noms qui ont été révélés. <laughs> Sur euh, 14, normalement. Hein. Mais vous inquiétez pas, depuis le début, on nous dit transparence. 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 Euh, par exemple, et tu vois, bon, dans les trois noms hein, qui ont été rendus officiels, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais dans les trois, tu en as déjà un qui, qui renifle de la chaussette, comme on dit. Il s'appelle Richard Bergstrom. Il est suédois De naissance. Euh, de naissance. Et il a dit. Enfin, euh, il, a, il, a il a dit plein de choses, mais au départ, Richard Bergstrom, il est patron de la Fédération. Il a été patron de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques entre 2011 et 2016. <laughs> ouais, je sais pas pourquoi je rigole. Je sais pas, parce que c'est pas rigolo. Euh, donc, bon, bah, tout de suite, tu vois, il y a, y a trois noms qui sont révélés. On a Ils arrivent déjà à nous mettre en tête des soupçons. De, de conflits d'intérêts et tout ça. C'est très fort. Avec seulement trois noms, c'est très très fort. Et donc, tu te dis dis, voilà, pour la France, l'enquête le, du monde nous dit que les négociateurs qui ont été nommés sont, je cite, « deux fonctionnaires de l'État qui souhaitent garder l'anonymat ». Allez, ça a dégagé voie 12 Tu prends ta valise, on rentre à Paris. Et donc, euh, tu vois, très vite, ça commence à sentir mauvais, mais ça va y aller tout doucement, tu vois euh, Là, on arrive début juin 2021. Hein. Euh, de, début juin 2020, excuse-moi, le con. <laughs> bon, ce, ce serait le futur C'est pas possible. Donc non. Euh, début juin 2020, on apprend que hein, en France, un comité scientifique vaccin Covid-19 a été mis en place et il est présidé par Marie-Paul Kierny. Je vais te montrer sa photo parce que. Euh, ça vaut son pesant de cacahuètes, regarde, voilà. Marie-Paul, c'est elle. Et Marie-Paul Kierney, elle est entourée de 11 spécialistes. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais euh, un comité scientifique spécial vaccin, si tu nommes euh, des gens qui ne sont pas compétents, ça s'appelle le conseil scientifique. Et on a bien vu que ça marchait pas. Donc il faut nommer des spécialistes, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et de fait, dans ces 11 spécialistes, on en a trois, trois, encore trois, qui sont consultants <laughs> pour l'industrie pharmaceutique, ouais. 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 Et ils ont été liés ou anciennement liés à des entreprises, peut-être que les noms vont vous dire quelque chose, euh, Pfizer, Curvac ou, <laughs> ou Sanofi <laughs> Elle est pas belle, la Macédoine ouais, 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 ouais. Et puis voilà, et puis bon... Ce comité scientifique, pareil, tu sens aussi que. Pff, hein, on, on rame, on rame pour masquer un petit peu tout ça. Mais bon, vous connaissez la maison. Tout ça, c'est le monde qui le dit. Il n'y a pas la place au complotisme, je ne sais pas quoi. S'il y a des problèmes, c'est le monde. Mais là, on voit bien que la transparence, ce n'est pas le projet dans l'immédiat. Et tout ça avance petit à petit. Euh, les, les premières grosses négociations arrivent. Euh, les Américains sont les premiers sur les rangs pour le vaccin de Pfizer et BioNTech. Donc ils commandent des, quanti des quantités astronomiques, ils doublent les Européens euh, par rapport à ce vaccin-là, et euh, les Européens se disent, bon, euh, nous, on n'est pas plus con que l'oncle Sam, on va se positionner sur un autre vaccin. On va prendre le vaccin suédois. Ça tombe bien, la Suède fait partie des pays qui sont en charge de négocier les vaccins, donc on est bien, tu vois. Euh, et les Européens se rabattent sur le vaccin d'AstraZeneca. Ouais. Pourquoi pas De toute façon, à ce moment-là, on n'a pas énormément de preuves sur tous les vaccins, on n'a pas énormément d'études, on se contente des communications des laboratoires, donc c'est déjà pas mal. On a l'espoir que ça sauve. Bon, ça peut aller à droite à gauche. Voilà. Après, chacun se fait son avis. Et ce vaccin AstraZeneca, euh, de, tu vois l'article du Monde. Alors Attention, là, on va parler mathématiques. Donc euh, concentrez-vous, concentrez-vous. Il y en a qui, je sais qu'il y en a qui sont pas euh, très concentrés. Donc attention. Euh... Donc, l'Europe, notez, l'Europe commande 300 millions de doses du vaccin AstraZeneca. Le prix d'une dose a fuité en décembre 2020 et on apprend que une dose vaut 1,78 euros. Vous faites la multiplication, 300 millions fois 1,78, ça nous amène à 534 millions d'euros. Comme dirait Laurent Romeshko, le compte est bon. Donc, voilà, et pourtant, alors là, magie, magie euh, des idées de génie, euh, le coût total du contrat, comme nous le dit le monde, est estimé à 870 millions d'euros. <laughs> ouais, c'est comme ça. Ça augmente, on sait pas. C'est peut-être des erreurs de calculatrice. Tout est possible. Tout est possible. Donc... Donc c'est vrai que c'est j'ai été surpris. Je suis pas une bête en maths, tu vois bien que j'ai pas la gueule de l'emploi, mais je me suis dit merde euh... ça ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas mais c'est pas le pire. C'est pas le pire encore je vous dis qu'on va monter tout doucement. Euh, on apprend que le 18 septembre, l'Union européenne signe son deuxième contrat avec un fabricant de vaccins. Ce fabricant, c'est Sanofi, ouais. Ah, qui n'a même pas encore sorti un seul vaccin de ses usines. Euh, D'ailleurs, ils ont tellement rien sorti que euh, le vaccin ne satisfait pas encore aux critères pour être auditionné par le comité scientifique français. C'est-à-dire, ils ont fait des tests sur les singes, C'était pas concluant. Ouais. Mais on va signer un contrat le 18 septembre. Bon alors, attention, hein, on, peut, on, peut, euh, on peut être prudent, et bien sûr, je comprends bien qu'il faut se positionner, et dans une logique commerciale, de commander avant euh, que tout soit disponible pour être les premiers sur les rangs. Je veux bien l'entendre. Mais là, on commande un truc qui non seulement n'est pas, pas commercialisé, et en plus dont l'efficacité n'est pas attestée. <laughs> ouais, c'est pas drôle, parce que je vois des commentaires qui disent non, c'est pas rigolo, en fait. Mais il faut faire ce qu'on peut. Euh, et donc, on apprend, tu vois, hein, toujours dans le monde, que l'Union Européenne commande 300 millions de doses. <laughs> Et le Monde dit, je cite, sans obligation d'achat, précise certaines sources. Là encore, certaines sources. On se débrouille, ça coule de sources. Donc, là, un autre passage qui m'a bien plu dans l'article du Monde sur cette commande à Sanofi, hein, parce que, euh, on nous a dit oh, euh, la France n'a pas favorisé un laboratoire français. <laughs> le Monde nous dit en contrepartie d'un prépaiement de 324 millions d'euros, d'après l'agence Reuters, Sanofi se serait notamment engagé à construire une usine en France qui serait disponible en cas de crise, euh, dit-on, à la Commission européenne. Ouais. 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 Non, là, j'ai pas, le... pas les mots, là. Hein, je sais qu'il euh, avait les mots, il m'a rendu accro. Là, je les ai pas. Là, je les... je les ai pas. Et donc, je comprends pas. Je comprends pas. Euh... C'est que du plaisir, c'est de l'or en barre à ce niveau-là. Et puis on va enchaîner encore, on continue et ça continue encore et encore. Le 11 décembre 2020, parce que non content de signer un contrat pour un produit non commercialisé, non prouvé, non content de mettre en place un espèce de chantage bidon en s'engageant à construire une usine en France, donc on joue avec l'emploi pour vendre des vaccins, on apprend le 11 décembre 2020 que Sanofi et le laboratoire britannique GSK annoncent un retard. Le vaccin devrait être, devrait être à dispo au quatrième trimestre 2021. Ouais. De toute façon, il a été payé. Donc, euh, donc voilà. Et 27 janvier 2021, alors, humiliation parmi les humiliations. Sanofi communique et dit que euh, bon, finalement, ils vont aider BioNTech à produire des doses, 125 millions de doses. Ouais. Ah, je veux dire, putain, euh, si Sanofi avait géré les guerres napoléoniennes, la campagne d'Italie, elle aurait duré 37 minutes. Mais vraiment, hein. Montre à à la main, enfin à la poche, tu vois. Ça aurait été un carton. Et donc, on comprend rien, enfin tu vois, à ce niveau-là, c'est risible. C'est un sketch, c'est un sketch, tu veux. Et euh, la pépite, une autre pépite là-dedans, faut remonter un petit peu, elle vient le 5 septembre 2020, on a Olivier boglio. moi j'aime bien le nom déjà, qui est président de Sanofi France, et qui t'assure le 5 septembre 2020 dans la presse, il te dit non. « Le vaccin coûtera moins de 10 euros. » Il n'en sait rien, le gars. Mais rien, rien. C'est comme si tu me demandes les numéros du tiers. c. Aucune idée. Que dalle. Donc, catastrophe. Enfin voilà, la pépite, la pépite. Et puis, encore, hein, ça c'est le canard enchaîné du 10 février. Je l'ai lu ce matin avec mon café. T'en as sûrement rien à faire. Mais euh, le canard nous dit... Euh, là encore, toujours sur Sanofi, parce que c'est du miel à ce niveau-là, miel de lavande quelque part, ça, ça sent la Provence. Euh, le canard nous dit qu'en 12 ans, Sanofi a sabré ses effectifs de recherche de 45%, avec le résultat que l'on sait, hein, mais il va donc supprimer 364 postes de chercheurs supplémentaires, tout en ayant touché 1,5 milliard de crédits impôts recherche en 10 ans, presque aussi beau que les bénéfices de Sanofi, 12 milliards d'euros. Euh, de bénéfices 340% de mieux que l'année dernière. Voilà. Voilà, voilà. Hein voilà, donc, euh, pff, je ne sais, sais pas quoi vous dire. C'est trop. C'est trop. Et donc, vous l'avez compris qu on nage en plein délire euh, dans cette, cette relation, euh, cette négociation de vaccins entre l'Union européenne et, et Sanofi. Et donc, il y a, y a plusieurs grandes questions qui se posent. Ouais. Et là, là, je vous demande un petit peu d'attention. Attention! <laughs> ça, c'est pas super drôle. Je vais la revoir. Euh, première grande question, euh, la question du prépaiement. Tu sais, je t'ai parlé de, de, de 324 millions d'euros qui avaient été prépayés par euh, l'Europe. Et je dis, euh, alors, un prépaiement pour des vaccins qui devraient arriver normalement à la fin de l'année, bon d'accord, mais si ça sert à rien, parce qu'on le voit bien, l'épidémie est changeante avec les variants euh, Italie, Brit euh, enfin, Italie, non, il y a pas de variant italien, pardon, enfin, pas encore, variant britannique, brésilien, d'Afrique du Sud, euh, de Sochaux, de, du Kerguelec, enfin, il y a des variantes de partout, il y a même Olivier variant. <laughs> euh, et donc, euh, tu vois, tu dis, c'est possible que d'ici la fin de l'année, ça ne serve à rien. Meilleur des scénarios, le coronavirus a disparu, tu vois, c'est possible. Euh, mais les 324 millions d'euros, parce que ça fait quand même euh, quasiment deux Neymar. On ne peut pas se priver d'une telle somme. Qu'est-ce qu'on en fait des 324 millions J'ai cherché, là aussi, vous le savez, le chien truffier était, était de sortie, comme ça. Et je suis allé, alors là, attention, j'ai fait valoir mon anglais, je suis allé chercher des articles à l'étranger, aux États-Unis, sur CNBC. CNBC. Et CNBC nous dit dans un article du 25 septembre 2020, là encore, je vous le mettrai en source, il nous parle d'un prépaiement. Enfin, je vous donne l'expression anglaise d'un non-refundable down payment. Alors, parce que j'ai des notions, euh, ça veut dire en gros un prépaiement qui est pas remboursable. Ouais. Ouais. ouais 324 millions d'euros euh, pour le plaisir, comme chantait Herbert Léonard quelque part, pour le plaisir. Donc, euh, et et d'ailleurs, hein, pourquoi si NBC nous dit ça C'est parce que c'était déjà le cas pour le contrat euh, AstraZeneca avec une somme de 336 millions d'euros de prépaiement qui n'était pas remboursable. Et si euh, NBC estime que c'est la même chose pour le contrat Sanofi. Donc on se régale, on se régale, tu vois. Et, et puis, deuxième grande question hein, je, bois, je bois un coup. Deuxième grande question. Euh, sur la responsabilité des fabricants de vaccins. Eh oui, vous le savez, j'en ai parlé dans les vidéos. Il y a eu un, un grand débat sur la responsabilité en cas d'effet secondaire, par exemple, ou de non-efficacité tout ça. J'ai creusé cette affaire parce que dans les médias, il y a beaucoup de politiciens qui sont intervenus, des membres du gouvernement. Je crois que c'est madame Agnès Rupachier, je ne sais plus quoi, euh, qui nous a dit non, euh... c'est bon. On a, on, a vu, on a vu avec l'Union Européenne, c'est bon, euh, il y a des responsabilités, on a dit oui, mais on peut voir les contrats Non. Mais on vous dit que c'est bon, d'accord, ben, très bien. Et, euh, et donc, je suis allé chercher, tu vois, parce que cette méthode de non-responsabilité des laboratoires, elle est en vigueur aux États-Unis. C'est un usage commercial, les laboratoires ont cette habitude-là, comme ça, ils sont peinardos, et puis s'il y a des poursuites, ça se passe autrement, et eux, normalement, ils gardent les miches au chaud. Euh, J'ai trouvé un article, hein, un article... L'anglais, euh, là, je reviens, c'est l'enquête du Monde dont je vous parlais, et on nous dit que euh, toutefois, dans les deux contrats rendus publics, il y en a que deux, on peut lire que les États membres participants s'engagent à indemniser et dégager de toute responsabilité le laboratoire en cas de recours de tiers, une clause appelée "hold harmless", article 14.1 pour AstraZeneca et 1.23.3 pour Curvac. Donc le Monde nous dit, euh, il ouais, y a quand même des clauses. Dans ce qu'il a pu voir, il y a des clauses. Ouais. Donc, de non-responsabilité, quelque part. C'est-à-dire, euh, s'il y a des embrouilles, bah, tant pis. Tant pis. Euh, fa fallait pas se faire vacciner. Oui, mais c'est obligé. Ah oui, mais. Eh, c'est comme ça. Hein, qui Tel est cru qu'il qui fallait prendre, que, comme, le, comme on le dit. Donc, voilà. Voilà, les amis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième partie du juste milieu chaud. Deuxième épisode. Et là. Là, on va commencer à déconner, on va commencer à papoter. J'espère que ces sujets vous ont plu. N'hésitez pas, n'hésitez hein, pas à réagir, n'hésitez pas à poser vos questions. Je réponds aux questions, maintenant je réponds à vos commentaires. C'est parti, là c'est parti, on est en famille, là on commence à papoter les amis. Hein, vous êtes 2609, c'est un truc de dingo, hein. merci à tous d'être présents. Euh, là, on y va pour les questions. On y va, on papote, c'est la fin. Hein. On arrive dans la dernière partie, donc c'est le moment de parler de tout et n'importe quoi. Entre nous, en famille, tu vois. Alors, il hein, ah, y a Napoléon Bonaparte qui vient d'arriver. Salut Napo. Qui dit mince en retard comme d'hab. Bah, oui, mais des... Napo, je mets des alertes. J'avais dit que c'était 18h. Je t'en veux pas. Tu regarderas le replay, mais bon. Il y a Mike. Salut Mike Lilith qui dit la chienne n'est pas là pas tout le temps camarade pas à chaque fois sinon après on va on va être déçu après il faut, il faut rester là, voilà, il faut en profiter à chaque fois euh, hein, je regarde vos commentaires Valérie va ah, ma Valérie comment tu vas merci Rémi mais merci à toi Valérie euh, euh, le Samaritain qui dit grave tu m'as fait vomir ouais, désolé il y a Maria qui est aussi allée chez le coiffeur mais bravo Maria c'est très bien il y a Dame Dom qui dit belle coupe de cheveux ça ressemble enfin à quelque chose de bien ça c'est méchant c'est rigolo, mais c'est méchant. Oh non, mais. Euh, donc je descends, hein, je, vous, je vous regarde. Il y a Lux Darkness qui dit Je suis mort, quelqu'un a une pelle, lol, bravo, juste derrière. Ouais. Oh, c'est une idée, ça peut être ça. Hein euh, Charivan, tu vas te faire vacciner. Bah, pour l'instant, ce n'est pas encore dans la loi. Donc je ne vais pas en prison si je ne le fais pas. Puis je ne suis pas dans les, euh, les groupes de risque, Donc pour l'instant, je suis peinard. On va voir. On va voir. Euh. Jeanne qui dit touche pas tes cheveux comme ça je fais ce que je veux oh, c'est pas vrai vous êtes vilain soir arrêtez maintenant non mais euh, Biden ta bonne question voilà en fait quelqu'un qui suit euh, Biden qui dit selon toi pourquoi Blachier a retourné sa veste ah ah ah, ah. Euh, j'attends de voir comme je l'ai dit hein, dans la dernière vidéo c'était le, le Martin Blachier Comedy Club numéro 3. Euh... J'attends de voir, parce que clairement, euh, il, euh, il a eu euh, des positions effectivement qui sont euh, très intéressantes. Je veux dire, si le mec n'avait dit que ça, c'était le général de Gaulle, quoi. D'inciter les jeunes à laisser deux mois à la société pour vacciner les personnes à risque et après à ne plus respecter les gestes barrières si ça change pas, de, demander le, le, de, de refuser le confinement et tout. Euh, franchement, c'est euh, très surprenant de sa part. Maintenant, j'attends de voir. Le vent semble tourner en ce moment... C'est pas fini que ça retourne encore. Hein. Le, voilà, hein, le Mistral gagnant, comme chantait Rodo. Donc faut faire attention. Donc je regarde. Hein, je regarde. Euh, un sentiment sur le présidentiel de 2022. C'est Amon qui dit ça. Salut Hamou, j'espère que tu vas bien. A euh, voir, à voir. Tout est encore très flou. Hein. Les lignes sont très floues pour l'instant. Euh, à gauche, c'est très compliqué parce qu'on sent une vraie scission entre les écolos, puis la France Insoumise ce qui reste sur les cendres du PS à l'extrême droite alors Marine Le Pen bon on l'a vu clairement en débat progrès zéro hein. contre Darmanin c'était chiant c'était chiant mon dieu donc on voit bien que c'est voilà c'est pas c'est pas sûr Macron euh, pff, on va voir est-ce que le est-ce que ça peut être Hidalgo Je sais pas. C'est franchement très flou. Je pense qu'il peut y avoir encore des candidats qui vont sortir du lot. Je pense par exemple à David Linard, le maire de Cannes, qui, à droite, est très intéressant. Ah, pareil, les Républicains, c'est pas clair du tout. Il va y avoir une primaire. Ils vont être 852. Donc on va voir. Moi, je dis « On va voir ce qui peut se passer ». Donc voilà, Amou, j'espère que j'ai répondu. Il y a Axel qui dit... ah ça, c'est gentil. Je le lis avec plaisir. J'admire ta performance, tenir un live avec un excellent rythme, avec humour et en nous calquant de très bonnes informations, j'adore, merci. Merci Axel. Je, je, je vous salue bien bas. Bien bas, merci beaucoup. Euh... Alors ah là, vous êtes beaucoup à écrire. Ah. Euh... Yabasta, tu te mouilles pas quand même Ah bah oui, mais oh, je suis frileux, non mais. Euh... Retour français qui dit, as-tu vu que l'on commence à nous bombarder Macron, Le Pen partout Les médias sont toujours aux ordres. Peut-être. Peut-être. Ça, je le dis pas. Maintenant, c'est pas fait. Hein. C'est intéressant de voir que... Euh, bien sûr, les médias, effectivement, commencent déjà à ressortir ce, ce duel un an, enfin plus d'un an avant, euh, avant le deuxième tour. Mais euh, attention, parce que, comme je disais, hein, les, les candidats à droite peuvent être très forts. Donc faut vraiment être prudent. Faut vraiment être prudent. Euh, J'ai un commentaire. J'ai vu le mot « Moïse qui dit « Fan de bonne bière, tu passes quand à la maison pour l'apéro ici en Bretagne ?» Alors là, j'aimerais bien. Je vous dis que dès que ces conneries, c'est un petit peu fini, j'ai envie de faire des tours, de faire des, des, des événements. Je ne sais pas comment on peut bricoler ça, de venir vous rencontrer, faire des blagues. Je ne sais pas, peut-être sur scène. Pourquoi pas Tout est possible. Je veux dire, on est en 2021. Si ça vous plaît, si vous êtes chaud, vous mettez en commentaire. Euh, D'accord, euh, OK, OK la scène. Voilà, OK la scène en commentaire. Et puis, on verra ce qu'on fait. Hein. Voilà. Euh, donc je redescends, je vois, hein, je vois ce que vous dites. Il euh, y a Francky Rocky qui dit j'ai peur qu'il nous refasse le duel, effectivement, hein, c'est possible. Cécile qui dit que dirait Julien Le Père de cette situation. Je ne sais pas Cécile, je ne sais pas. Mais tu, tu, tu dis des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Mais je t'apprécie énormément Cécile, sache-le, hein, que ce soit clair entre nous. Euh, à Joël qui dit comme Thibault, oh, arrête, arrête. Ah ouais, oh, ça fait du bien de changer, c'est ouais, comme ça. Euh, Eric Orlandi qui dit pourquoi pas un parti juste milieu Alors, par extension, je me permets de répondre à une autre question. Vous êtes quelques-uns à me dire pourquoi pas la politique Pourquoi pas la, la politique pas, non, pas pour l'instant. J'ai des valeurs et peu de temps. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et comme je ne me reconnais pas vraiment dans ce qui se fait, on va rester à la télé. Je, enfin, à la télé, à la YouTube. Donc je fais ce que je peux pour essayer de, de faire ricaner, de papoter ensemble, de rassembler du monde, des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Et puis on fait ce qu'on peut. Je vois un commentaire, alors là, dans le chat, oh, de ⁇ Je suis pas content, TV ⁇ Alors là, je vais rougir. Là, je vais rougir. Euh, mes respects. Mes respects, parce qu'on parle de quelqu'un que je suis avec une très grande attention. La question, quand tu parles de candidats à droite, tu parles des Républicains, car je vois pas ce que Marine Le Pen et Macron ont de gauche. Euh, oui, oh, j'attends, oh, je suis piégé. Oui, non, mais très clairement, on, on, on voit bien que les lignes politiques ont explosé. Ça n'a plus aucun sens. Euh, le, le, la, la, la dichotomie gauche-droite qui existait depuis... Euh, de... Enfin voilà, depuis la Ve République globalement, on voit que ça n'a plus aucun sens. Ça n'a vraiment plus aucun sens. Et c'est d'ailleurs euh, tout ce qu'incarne un personnage comme Darmanin qui n'hésite pas à aller gratter du côté des thématiques plus, plus conservatrices, plus rangées à droite traditionnellement, qui n'hésite pas à, gratter, à aller gratter là-bas, faire un livre sur le séparatisme islamique. C'est purement électoral, à gauche c'est la même salade. On voit bien que l'écologie permet plus ou moins d'aller gratter des votes, mais que on a vu dans les mairies gérées, c'est le chaos, donc ça va pas marcher. Il va falloir aller sur un autre terrain. On voit un Mélenchon qui a fait son choix, donc les lignes ont complètement explosé. Et pour, la, pour le coup, je serais plutôt partisan euh, d'une lecture politique avec les gagnants de la mondialisation et les perdants de la mondialisation. Ça, c'est mon discours que je sortais à l'apéro avec les copains il y, encore, il y a encore un an et demi. Mais au, mais au milieu, il y a le coronavirus, donc ça a encore déplacé les lignes. Et euh, maintenant, voilà. Est-ce qu'on peut parler des gagnants du coronavirus, des perdants du coronavirus C'est aussi possible. Mais tout ça a explosé très clairement. Cher, je suis pas content. TV. Euh, non, euh, gauche droite, euh, c'est plus le, c'est plus le but du jeu dans l'immédiat. Je, à mon avis, n'hésitez hein, pas à réagir, bien sûr. Donc, hein, je regarde, hein, je regarde vos commentaires. Hein. Amou qui dit pitié, pas de politique. Voilà, au moins, c'est dit. Euh, ah, il y a des petits hockey scènes hein, qui se promènent, vous êtes sympa. Ah, hein. oh, vous êtes très sympa. C'est une idée, ça me plairait beaucoup. Ah, ce serait peut-être même un rêve en fait. T'imagines, remplir des bistrots, tu comme ça avec 20 personnes qui me regardent, qui disent Qu'est-ce que c'est quoi ce con Mais bon, ils rigolent, Et ça, ça fait plaisir de voir, de voir rire les gens. C'est mon plaisir, tu vois. Euh, alors, oh là, ça va vite, ça va vite. Vous allez très très vite. Il y a beaucoup de commentaires, je peux plus suivre. Calmez-vous euh... Anne qui dit Jacques Attali et Marine Le Pen ça va être serré le combat oui ça c'est possible ouais. Alors, radada qui... Radadar Rididi, déjà j'aime bien qui dit t'es allé chez le coiffeur attrape non, non là c'est un... un attrape con en ce moment ah, c'est le piège hein. médiatiquement faut pas y aller hein. euh... Patrick qui dit ton coiffeur est sorti de prison oh, c'est pas gentil hein. c'est pas très sympathique mais bon allez je t'en veux pas euh, Histoire armée ah, une question intéressante hein. Mince, attends, je t'ai perdu. Excuse-moi, t'es où, histoire armée Mince. Ah, tu es plutôt souveraineté ou Union européenne Ah, ça, c'est intéressant. J'avais déjà répondu dans le dernier juste milieu chaud pour vous dire que je pense que les deux ne sont pas incompatibles, en fait. Et que, euh, sur le papier, à mon avis, c'est mon opinion, euh, la, la constitution de l'Union européenne, dans le projet initial, euh, et, et dans ce que ça a pu permettre, comme euh, le fait de pouvoir franchir les frontières pour les citoyens européens, cette monnaie unique qui facilite énormément les choses. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'avantages à l'Union européenne. En revanche, euh, sur les questions de souveraineté, effectivement, j'ai du mal à concevoir une zone, euh, une zone unique, une, une union qui ne respecte pas effectivement les souverainetés de chaque pays. Je pense qu'on peut, euh, on peut faire une union, on peut construire une. une, une on construit un collectif d'États, tout en respectant les souverainetés nationales, sans aller expliquer euh, que le Croate a la même culture que l'Espagnol, et tout ça. C'est pas possible. Il faut respecter ces souverainetés-là, il faut laisser le pouvoir aux États, tout en leur permettant de participer à une Union qui, géopolitiquement, nous replace quand même un peu plus haut euh, dans, dans la marche du monde. Et ça, c'est intéressant. Donc je pense que les deux ne sont pas, euh, sont pas incompatibles. Voilà, je le dis, je, je réponds. Il hein, y a Jeanne, Jeanne et Valoche, elles veulent faire un, cl un club de, de cougars. Non mais oh, arrêtez, tigresse, ça va pas ou quoi Il hein, y a Julien qui dit T'es un gaillard, Rémi. Bien joué, ça c'est malin, bien vu. Euh, hein, Je vois, il y a, a Angélus qui dit Just tu es au, Juste tu es au milieu. Ah, ça c'est bien joué parce que le nom c'est juste au milieu, regarde. C'est pour ça la blague. Yes, impeccable. Nickel. Ah, je vois, ah, vous êtes nombreux à écrire, là, c'est génial. Euh, va va comme qui dit Renseigne-toi sur l'UE, pour l'instant, t'es nul sur ce point. Bah, bah, merci, euh, bah, je respecte, hein, c'est comme ça. Hein, euh, c'est ton avis, hein, et puis t'as as, peut-être raison, il n'y a pas de problème. Euh, Pierre, Pierrot qui dit Et la France en rugby, un petit mot brillante. Ah eh oui, le rugby, on se régale, hein, on se régale. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que ça vous intéresse un nouveau numéro du Bistro Sport Il y a moyen que je fasse ça la semaine prochaine vendredi si tout va bien pour préparer le match de rugby, sachant que demain c'est Irlande-France. Tous derrière la télé pour soutenir les Bleus. Là en plus les Anglais ont un petit peu ramé contre l'Italie. Bon ils l'ont remis branlé mais c'était très bien. Donc euh, donc ouais non non l'équipe de France de rugby j'adore 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 on les soutient le placage passez bas hein passe passe sur un pas enfin tout ça on adore j'y crois énormément. Mais il va y avoir un nouveau Bistro sport. Vous inquiétez pas on va en reparler. Là c'est le juste milieu chaud. Là c'est l'actu. Donc Il y a SlipBC de Belgique. Alors déjà ça c'est génial. Qui dit vous êtes fou, je vous adore, vous êtes fou. Qu'est-ce qu'il nous dit Mince, je t'ai perdu, Slip baissé Oh non, c'était drôle ce que tu disais. Ah, oh, excuse, Slip baissé, remets ton message, s'il te plaît. Je suis perdu. Vous écrivez beaucoup, non mais. Ah euh... oh, là là les coquins. Bistro sport. Il y en a qui sont chauds je vais le refaire. Et je vais le refaire, ça fait plaisir. Euh, Karine qui dit ton permis ça avance, ah vous êtes sympa, bon papa, toi ouais. j'ai eu mon code hier, ouais, ouais, je préfère vous le dire, je suis, je suis content, je suis content, donc donc voilà, euh, ouais, j'ai eu, donc ça avance, à moi là, à moi le pilotage là, c'est pour bientôt là, là ça va, fast and furious, là, là ça... attention, là. ça va, enfin c'est fat and furious, mais c'est pas grave, c'est bien quand même, euh... ah, je regarde, ah, vous... c'est dingue, vous êtes non, vous êtes nombreux. Anna qui dit 600 sur l'Irlande. Ah oui, ça, c'est clair. Il euh, y a Guillemette qui aime bien le nouveau look. Ah, J'ai l'impression que on est pas mal. J'ai l'impression que ça vous plaît. Donc, c'est bien. Euh, David qui dit tu serais un bon commentateur sportif. Rigole pas, mon David. c'est une... J'ai eu une idée la dernière fois, avant de dormir. Bon, c'est souvent pas les meilleures idées. Euh, le, le commentaire de match. C'est-à-dire que euh, je, me, je me filme comme ça devant, le, devant la télé et je commente le match. Comme ça, vous pouvez regarder le truc... Et, euh, et, et écoutez, maintenant, bon, euh, attention, hein, je ne suis pas en train de prendre le boulard, c'est juste ça me ferait marrer. Si on peut se marrer ensemble, voilà, je ne sais pas ce que ça va valoir. Pourquoi pas, c'est une idée, j'en sais rien, on peut rigoler, hein, tout est possible. Donc, donc voilà, hein, les, les amis, vous êtes... Non... Ah, merci, félicitations pour le code, vous êtes super sympa. Ah, je viendrai vous voir en camionnette, en, en camionnette, hein, camionnette juste au milieu, ça peut être drôle. Ça. ça peut être drôle, on va voir, on va voir ce que ça donne. Donc... Non, il y, y a Chris Mallet qui veut un bistro sport, mais sur le curling. Il va falloir que je me renseigne. Il falloir que je me renseigne, je vais faire ce que je peux. Euh... Allez ah, copains, c'est... Ah je, je pourrais rester des heures. Vous êtes nombreux, c'est génial. Hein, vous êtes encore à 1989, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a la dame de basse-savoie, fidèle parmi les fidèles, j'espère que tu vas bien. Très bonne idée, le commentaire de match. Eh bien pourquoi pas, si ça vous plaît, si ça vous plaît, on peut peut-être faire ça. On va peut-être faire ce qu'il faut. Donc. Ah ouais, ah Je vais répondre à celle-là. Elle est encore une ou deux. Et après, il et après, faut filer. Hein. Euh, Alel. Oh non, je... Alel oui. Qui dit que, pense... que penses-tu des rugbymen qui restent à 1 mètre pendant les hymnes Oh putain, j'en ai vu des conneries, mais celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est très très belle. Les mecs se mettent sur la gueule pendant 80 minutes. Et, et pendant les hymnes, on les met à mettre, tu sais, au cas où. J'adore, j'adore. C'est vraiment du génie. C'est vraiment du génie. Euh, donc voilà, les amis. Hein. Euh, ah oui, il y a, a Kissar qui a mis plusieurs fois sa question. Euh, que penses-tu de Maître Brussa, réaction 19 Alors très sincèrement... Euh, putain, je touché le micro, ça a dû en faire sursauter quelques-uns. Euh, J'ai regardé quelques vidéos et tout ça, mais je ne suis pas assez renseigné pour vous donner un avis sérieux. C est, c est, je vais vous dire des bêtises. Donc j'en ent en entends parler effectivement, mais j'aurai l'occasion au prochain, juste milieu chaud, on en reparlera. Mais, mais sincèrement, je ne euh, connais pas assez. Donc euh, voilà, hein, je préfère vous le dire. Il y a Miguel qui dit si tu passes à Perpignan, je te fais un apéro de l'espace. Alors là, c'est noté, mon bon Miguel, c'est bien noté. Donc. Les amis, les amis, je crois qu'il va falloir y aller. On est ensemble depuis un paquet de temps déjà. Je me régale avec vous, sachez-le. Hein, ça fait une heure, voilà. Donc la promesse est tenue. Une heure, une heure, une heure. Donc, les amis, hein, il est l'heure de se dire au revoir. Mais, 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 déjà, je voudrais vous remercier une fois de plus d'avoir été aussi nombreux. C'est un truc de dingue. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. On a dépassé les 2,5 millions de vues, les 53 000 abonnés, et la chaîne a été lancée le 18 décembre. C'est un truc de fou furieux ce qui se passe. C'est que le début, j'ai plein d'idées en tête. Grâce à vous, hein, vous êtes nombreux à m'écrire, à me soutenir, à mettre des commentaires, et je vous jure que c'est que le début de l'aventure, j'ai plein d'idées en tête. J'ai vraiment besoin de vous pour continuer tout ça, donc n'hésitez pas à m'écrire, il y a mon adresse mail dans la description. Euh, à m'écrire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, les idées que vous avez en tête. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire à la Terre du Juste Milieu. Je vous envoie des mails, je vous envoie des vidéos en exclusivité. J'en ai envoyé une il y a 4 jours qui n'est pas publiée sur YouTube. Oh, il y a eu des petites blagues originales. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous l'avez pas reçu, vous me, vous me le dites, vous m'écrivez, je vous l'envoie. Donc voilà, les amis, euh, c'est vraiment génial. Je, je vous dis, je prends un plaisir fou. Je prends un plaisir fou à faire, à faire ces lives, à faire ces vidéos pour vous, à travailler pour vous. Euh, voilà. Je, 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 ça, ça va continuer. C'est que le début, les amis. C'est un truc de dingue. Il y a Frenadia qui dit Rémi en érection. Oh, oh calme-toi, oh. Non, mais Amou qui dit salut quand tu veux à Genève. J'habite pas loin, Amou. Si tu veux tout savoir, c'est tout à fait possible. Tu m'écris. On va voir. Donc, voilà, Valérie, on adore tes vidéos. Merci, ma Valoche. Merci, ma Valoche. Merci, ma, valoche. Merci, ma Valérie. Merci. À, à tous les amis, on va se retrouver très très vite, je peux déjà vous dire, parce que vous êtes là, vous êtes les fidèles, il y a une vidéo qui arrive, si tout va bien, mardi, peut-être lundi, si j'ai le temps, euh, avec un thème qui est bien. Ouais. Un thème qui est rigolo, ça va vous plaire, ça va vous plaire, ça peut vous choquer, mais ça va vous plaire. Donc voilà, il y a tout ça qui arrive, il devrait y avoir un bistro sport, on va se régaler. Donc, les amis je vous embrasse je vous salue merci encore d'avoir été aussi nombreux on se retrouve très vite sur juste milieu je vous embrasse prenez soin de vous à très très vite vive la rigolade et vive la france allez et là on clique et là normalement c'est terminé